Donc, dimanche prochain, ici même, à Avenches. Les concurrents qui sont derrière les ailes de la voiture, avec le drone, on voit bien les positions. On voit que Eclipse de Villars a reculé quelque peu. Gêné Ferroki et Edel du Loir. Et voilà les concurrents qui vont s'élancer dans cette épreuve. On a vu qu'on avait perdu du terrain avec Eclipse de Villars, qu'on est bien parti avec Hot Story. Et que les concurrents Hello, on est également bien parti avec Hermon Damat côté extérieur. Mais c'est Hot Story qui s'empare tout de suite du commandement et qui précède Hermon Damat côté corde. Gab Blue venant à son extérieur. Hello Miss étant en quatrième position. Livy UHM est parti quelque peu en rétro. Quant à la grandissime favorite Queen d'Ocagne, elle se retrouve en sixième position pour sortir du premier virage. On est là également côté corde avec le 10 Go Fort Jet. Concurrents qui sortent de ce virage avec Hot Story. Toujours à la recherche de sa première victoire, qui dirige les opérations devant Hermon Damat côté corde. Gablou au centre de la piste. On a ensuite Hello Miss et derrière Hello Miss, la grandissime favorite Queen Ocagne. On est là également avec Elato qui, pour l'instant, s'est montré d'une sagesse exemplaire. Hyde Park, le numéro 12, venant ensuite. On est là plutôt côté corde avec le numéro 4, Fortuna Fighter. Concurrents qui sont devant les tribunes avec toujours Hot Story qui a le meilleur. Alors que Queen Ocagne vient maintenant très vite à sa hauteur. On est dans le deuxième virage avec Hot Story. Queen Ocagne à son extérieur qui sont devant Hermon Damat. Go for Jet venant ensuite devant une faute. Delato, le numéro 6, qui s'est de nouveau montré indélicat. Queen Ocagne s'empare du commandement à 1100 mètres de l'arrivée devant le numéro 5. Hot Story presse dans le numéro 1. Hermon Damat, on vient ensuite avec le 10 Go for Jet. Et derrière Go for Jet, on va retrouver le 2 Hello Miss. Ferroki est également là, tout comme Gablou, le numéro 3. Hyde Park, le numéro 12, venant ensuite. Concurrents qui sont dans la ligne opposée, toujours sous le commandement de la grandissime favorite Barbara Bichère, s'est retournée au sulky de Queen Ocagne. Et en deuxième position, on retrouve le numéro 10, Go For Jet, qui précède le 5, Hot Story. À une ou deux longueurs, on va retrouver l'As Hermon Damat. On est là également avec Hello Miss, qui tente de faire la jonction avec le trio de tête. Un trio de tête toujours emmené par Queen Ocagne dans le tournant final avec Go for Jet, le numéro 10 qui précède Hot Story. Hermon Damat qui est au galop. On vient ensuite avec Hello Miss Ferroki. Et ensuite, on va retrouver le 12 Hyde Park. On s'est accroché avec Ferroki et Hermon Damat dans le tournant. Hermon Damat qui était au galop. Concurrent qui pénètre maintenant dans la ligne droite avec toujours au commandement Queen Ocagne qui a l'avantage. Hot Story qui tente de revenir sur elle. Go for Jet qui est en troisième position et qui va lutter avec certainement Hello Miss alors que le numéro 4 Fortuna Fighter essaye de se rapprocher. Mais la victoire peut-être pour Queen Ocagne qui tient en respect pour l'instant Hot Story dans la phase finale. Queen Ocagne qui va apporter une nouvelle victoire à Barbara et Bichère et pour la deuxième place sera le numéro 5, Hot Story. Queen Ocagne qui s'impose facilement dans cette compétition. Hot Story, le 5 et deuxième. Pour la troisième place, ce sera Go For Jet devant Livy Ayo HM qui vient s'emparer de la quatrième position. Victoire du numéro 11, Queen Ocagne avec Barbara et Bichère. Deuxième place pour le numéro 5, Hot Story avec Jean-François Yonner. Troisième place pour le numéro 10, Go For Jet. Barbara Cruzy, quatrième place pour le 14 Livy Oyo HM. Et il y aura une photo, mais certainement le numéro 13, Gracieux Le Foll, qui finissant bien à l'extérieur, vient s'emparer de la cinquième place devant un peloton groupé. Et on retrouve les concurrents dans la phase finale. Pas de souci pour la fille de Bold Eagle, qui apporte donc une huitième victoire à Barbara Ebischer. La favorite a justifié la confiance des parieurs malgré son numéro 11 derrière les ailes de l'autostart. Hot Story, abonné aux places d'honneur, un nouvel accessit. Go for Jet se réhabilite et prend la troisième place. Livy Oyo HM.